Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Pérassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 324 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. D'abord, normal, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent où on avait encore continué d'explorer tout simplement cette immense zone dans laquelle voilà, on avait fait ce qu'on avait pu encore, il nous reste encore pas mal de choses à explorer. Et aujourd'hui, donc on va continuer notre aventure. Alors du coup, par contre... Le sanctuaire, c'est un mystère toujours, hein. Je sais pas du tout où il est. Parce qu'ils disent qu'il y a un sanctuaire à proximité, je ne sais même pas où il est. Donc déjà, ça commence très 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 mal. Mais bon, écoutez, tant pis, hein, tant pis. C'est peut-être pas dans notre zone, ou c'est, je sais pas du tout. Donc bon, tant pis. Écoutez, que voulez-vous. Donc du coup, alors, on va évidemment continuer d'explorer. Évidemment, on va continuer d'explorer. Alors, Du coup, ça me permet de savoir s'il y a des coffres dessous, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des coffres. Je sais pas s'il y aura un coffre dessous ce truc. Je sais pas, ça a pas l'air si profond, mais ça a l'air profond quand même. Et vu qu'on peut pas trop voir dessous, je n'en sais rien. Bon, bref, on va aller voir, hein, de toute façon. Ok. Oh. Des Breeze Rock. Fuck. Merci. Alors. Non, là il n'y a rien de spécial. Montagne de la mort pied. Ok, là il y a un autre visiteur. Ah, mais c'est pas lui le Ilien qu'on a parlé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode d'avant. Oui, c'est un manial. Manial. Ah, oui, d'ailleurs, le panneau il est là-bas. Le panneau il est là-bas. Bon, ben ok, d'accord. En fait, on a exploré ce côté-là. Ah, je viens de comprendre. On a exploré ce côté-là en fait. Du coup, ben ça veut dire que il reste encore ce côté. Alors, par contre, il y a des énormes trous. Mais bon, on reviendra on y reviendra pour compléter un petit peu. Il y a les gros manques, si vous voulez. Donc on aura la tour, on aura certainement les sanctuaires à côté. Par contre, le faire canarder, il est hors de question. Tac. Allez, maintenant on explore ce côté. Évidemment, ce côté. Je sais même pas s'il y aura concrètement des Nokorogu là, hein. Concrètement, des Nokorogu, des coffres, hein. On en a trouvé zéro dans l'eau, quoi. Zéro, non mais vraiment. Donc je pense pas que ça sera maintenant qu'on en trouvera d'autres, hein. Surtout là-dedans. Surtout que j'ai vu la carte à quoi ça ressemblait dans Tears of the Kingdom. J'ai vu que c'était très bordélique. Donc vraiment ça me fait peur cette histoire de cette zone, hein, je vous le dis. C'est autant bordélique que la zone que vous voyez là-bas en fait. Ah, celle-là, je sais même pas comment on va faire, hein, concrètement. C'est un Korogu ça? Pas du tout. D'accord, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Ok, en fait il y a une noix Korogu au fond. Ok, en fait il y a une Nokorogu au fond, donc ça en fait ça crée un passage pour éviter d'être submergé d'eau. Super, bon bah ça commence très mal. Alors là, faut aller le choper. Et puis quoi, on va sauvegarder. Et on va charger. Allez go. Manina. Bah pourtant elle est pas pounie. Elle peut venir, hein.
Elle attend peut-être à manger, hein. Mais j'ai donné hier. Donc non, pas de sachet. Pas de sachet, pas de sachet. Ah, parce que j'ai donné hier, quoi. Pas comme si je n'avais pas donné. Par contre, on en parle du truc. Ah, je suis sûr que je sais ce qu'il faut faire, mais c'est ultra. C'est ultra. C'est ultra saoulant en fait. C'est ultra saoulant. Tu vas pas, ça passe. Ok, alors. Lune de sang. Mais est-ce que ça va pas me riser ta pierre? La Blood Moon! Bon, on va attendre la lune de sang. Si ça risque d'être la pierre, on va renvoyer là-bas. Parce que j'aurai pas le temps pour faire quoi que ce soit. Bon, bah écoutez. Putain, la Blood Moon ici, ça fait encore plus flipper que d'habitude. D'accord, j'imagine dans le désert Gerudo, ça devrait faire aussi flipper, hein. Link, en garde. Oh là 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 là, c'est tellement fou ce jeu. Ce jeu est tellement fou. Ça risque d'être la pierre ou pas? Ah, ça parie d'être la pierre, donc c'est parfait. Allez, du coup on va pouvoir chercher notre pierre. Elle a été qui est dans le coin là-bas? Je pense qu'on va peut-être pouvoir l'apercevoir bientôt. Est-ce qu'elle apparaît? Oh là là, ça n'apparaît pas, c'est de la merde. Oh là, mais c'est quoi tout ce monde là d'un coup? Ok, elle n'apparaît pas. Non, 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 non. On va prendre ça. Parfait. Ok. Oh, méchant. Merci. Alors par contre, du coup, la pierre, elle est partie, je sais pas où. Finalement, je crois qu'elle a dû être quillée. Ça me fait chier, ça, tu vois. Parce que, à mon avis, c'est un truc qui obligatoirement là-bas et qu'on n'a pas le choix, quoi. Ça a réapparu ou pas? Ouais, elle a réapparu. Que concrètement, je vois pas comment on peut faire. Hein. Ça, parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas signer, Cryonis, quoi. Ici, on peut pas. Allez, on y retourne. On va essayer de d'y aller. On a pas le choix de la sortir un petit peu. Tac, tac, tac. Putain, presque. Oh, presque. Avec comment ça s'appelle? Avec je vais pas y arriver. Avec une épée à fond, ça, on peut y arriver. Donc on va recharger la partie. C'est compliqué. Bon, je suis désolé les amis, je vais quand même fermer un peu la porte. Tellement chaud, oh, c'est une horreur. Allez, on y retourne. Nous sommes là. Bon, du coup, on sait que ça passe normalement. Si on fait full, ça passe. C'est bon. Allez. On y va. Putain, je ne le vois pas. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'elle despawn. Ah ouais, en fait, elle despawn. Ah, ça, c'est gênant, ça. Comment je pourrais l'amener? Il n'y a pas une peut-être plus proche, mais on l'aurait vu s'il y en aurait une plus proche.
Parce que vous avez vu, on doit suivre le chemin. Donc normalement, la seule, c'est celle-là hein, que je vois. Attendez, j'ai fait une diagonale, il n'y a même pas de pied quoi. Ça craint, non? Alors là. Ok, donc là on a pied. Ok, là on a pied. En fait, il faut suivre un chemin déjà préétabli en fait. Quoi, on a mis 40 minutes là, rien que là-dessus. Oh. Là-bas. Là-bas. C'est bon, on va réussir, c'est bon. On va arriver à destination. Et voilà. On l'a eu. Non, vite fait, tu m'as trouvé. Encore au goût, ça pute, vous a donné encore au goût. Ça peut faire 1000 pas contre beaucoup pour très bonheur. À la revoyure. Bon, merci. En fait, je peux utiliser la Master Sword pour eux, clairement. Tac. Ah, le pouvoir de l'épée de légende s'amunise. Aïe. Donc en fait, ouais, on... C'est pas foufou. Ok. Oh, c'était chaud. Ok. Vas-y, roule, j'ai la fin de t'avoir. Donc, du coup, malheureusement, on ne peut plus l'utiliser. On doit attendre un petit peu. Comment on fait pour... Régénération. Ah oui, régénération dans longtemps quoi. Ouah, c'est complexe de monter là-haut quand même. Fuck. Ouais, bon, en fait, une fois que je suis là, mais... Bon, en fait, on est en train de monter, mais je sais pas où, mais on est en train de monter. Hein. On n'a pas besoin de geler chouchou ici. Oh, ta mère. Sanctuaire à proximité, d'accord. Ah, oh, super. Fuck. Mais attends, ah, c'est parce qu'on arrive au village Goron, non? Peut-être, je sais pas. Oh là là, il y a des zones qui me faut, qui des fois tu te dis mais. Ok, il y a des ennemis. On va monter tout là-haut ce truc. On va attendre un peu, d'accord. La tour est là déjà pour commencer. Y a rien ici. Ouais, rien du tout. On va pas entièrement descendre. Non, voilà. On va juste s'arrêter là. Enfin, pas l'épisode, hein, je parle, mais au moins juste pour descendre. Comme ça, au moins on va activer la tour et au pire, on se téléportera tout le temps jusqu'à la tour. Ce serait bien d'activer la tour. Ça, ah si, sanctuaire à proximité, je pense qu'il y a le village Goron pas loin. Le coffre, bon, ça on le fera plus tard. Là-bas, oh, là-bas on voit une Okorogu quoi.
En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de noix de Kourougou dans les montagnes. Comme quoi, au pire endroit où il faut explorer, quoi. En fait. Comme quoi, c'est vraiment abusé. Tour d'Ordine. Bon, la tour d'Ordine. Ouais, en effet, la tour d'Ordine. Bah, vous savez quoi, on va l'activer, hein, on va l'activer aujourd'hui. Tac. Bon, voilà, laver tout bien comme il faut, hein. Tac. Alors, on y est bientôt. Et voilà, nous y sommes. Et du coup, bah, on va pouvoir activer notre tour. Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Et voilà. Au moins, c'est fait. Acquisition des données locales. Oui. La goutte. La goutte. Et voilà. Oh, stylé. La carte de la zone a été enregistrée. Oh mon dieu. Vous avez vu les dégâts à explorer. Vous comprenez qu'on va s'ouvrir. Et voilà. Notre tour activé. Nous avons Ordine. Il ne nous restera même plus que 1, 2, 3 zones à activer. Enfin 4, pardon. 1, 2, 3, 4 zones à activer. Avec les, donc 4 tours précisément. Mais voilà. On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Donc là, ça, c'est bien. Ça nous permettra de revenir en cas de... d'extrême besoin. Par contre, maintenant, pour explorer le truc dedans comme il faut, comment dire, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein. The Garden. Ok, il y a un gardien en bas. On a... ok. Ok, donc déjà, il y a un endroit pour poser les bombes. Ah, ce qu'il y a là-dedans. Oh, Kourougou. Ah bah écoutez, Kourougou. Nadine, tu m'as trouvé, non, Kourougou. C'est petit, vous a donné un Kourougou. Ça peut faire 1000 par contre, beaucoup pour très bonheur. À la revoyure, à la revoyure. Bah écoute, trop mieux. L'immensité de la zone, quoi. L'immensité de la zone. On a deux minerais dorés les uns à côté des autres. C'est ouf. Ouais, on obtient quelques trucs. Ok. Donc, évidemment. On va pouvoir aller là. Putain, il y a trop de choses à explorer. Oh là là. Ah ben là, ça va être un dédale, hein, pour explorer ça. Je vous le dis, ça va être un dédale, hein. Eh ben, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter devant ben, cette noix Kourougou. Voilà, qu'on se réservera du coup pour l'épisode prochain. En tout cas, pour oui, je vous dis pour aujourd'hui, mais je sais même pas si c'est le dernier épisode du jour. Mais voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là. On se retrouvera du coup dans l'épisode prochain dans lequel, ben... on continuera d'explorer cette zone. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à explorer de partout, hein, littéralement de partout. Donc on explorera encore et encore. Voilà, donc on espère que tout se passe bien. Je vous rappelle que notre objectif, ça serait bien de se rendre au village Goron.
Donc ouais, on pourra explorer peut-être un peu le pied de la montagne de la mort. Enfin, je sais même pas comment on va s'y prendre, mais... Mais bon, il faut bien trouver des trucs. On a une noix Korogu là-bas, mais je crois qu'on l'a déjà récupérée celle-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, bah d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.